Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une salade très santé, très variée, qui est très très bonne pour l'été. J'espère que vous allez l'aimer. Donc, pour faire cette salade qui est très facile, on a besoin de légumineuses. Une tasse de légumineuses, je les ai achetées, c'est déjà prêt, elles sont déjà pré-cuites. Donc, c'est un mélange de 6 légumineuses. Pour cette quantité, on a beaucoup de valeurs nutritives. Donc pour la moitié, pour 250 millilitres, vous avez 25% de fibres et vous avez aussi du fer, vous avez des protéines, 15 grammes de protéines, vous avez du calcium. Donc c'est très très important de les intégrer dans vos repas quotidiens. Et on a aussi besoin d'un mélange de poivrons rouges et de poivrons verts, pardon, jaune. Vous pouvez rajouter aussi des poivrons verts. Vous avez aussi des échalotes vertes, des tomates et de l'avocat. Et un mélange de thon et de fromage la feta. Vous avez aussi un mélange de persil et de concombre coupé en petits dés. Vous avez aussi de la coriandre coupée en petits morceaux et des olives noires. Puis ici, on a des ingrédients pour faire la sauce pour l'assaisonner avec. On commence par la préparation de la salade. Premièrement, on met les légumineuses. Dans le fond, on fait juste mélanger tous les ingrédients ensemble. On met les poivrons rouges et les poivrons jaunes. On a après les avocats, les échalotes. Voilà. Et les tomates cerises. Puis on a le mélange de concombre en petits dés et le persil. On mélange bien les ingrédients. Voilà. Vous avez remarqué, c'est plein de belles couleurs. Du rouge, du jaune, du vert. Et c'est très 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 beau à voir. Puis après, on a le thon et le fromage, la feta. Avant de mettre la coriandre, je vais rajouter les olives noires. Puis, je mets par-dessus la coriandre. Moi, j'adore la coriandre. Je l'adore, je la mets partout, partout, surtout quand elle est fraîche. J'aime son parfum, j'aime son goût. Donc, dans cette salade, vous allez voir, ça va rehausser les saveurs de tous les autres ingrédients. Donc, regardez comment elle est belle. Elle est très, 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 très belle. Pour faire maintenant, on va passer à faire pour faire la sauce par laquelle on va l'assaisonner. Alors, pour la faire, on a besoin d'un petit peu de sel. Un tout petit peu, une toute petite pincée de poivre noir. Et on a besoin de 5 cuillères à soupe de citron. 4, 5. Et une demi-cuillère à soupe de moutarde. Puis, on rajoute 10 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Une, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On va mélanger tout ça.
pour avoir une belle sauce, pour permettre à tous les liquides pour bien se mélanger. Vous pouvez rajouter aussi de l'ail écrasé, donc ça va rajouter du goût aussi. Je vous conseille. Donc c'est ça. Donc regardez le mélange qu'on a obtenu. C'est un petit peu épais et aussi c'est très 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 c'est très beau. Vous allez voir, c'est très bon. Puis la couleur, elle a changé. C'est un petit peu jaune. Alors, on procède maintenant. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que vous avez préparé comme sauce. Mettez juste un petit peu. Au moment de servir, vous pouvez rajouter à votre goût. Donc, ça va être à vous de décider si vous la voulez juste comme ça ou vous pouvez en rajouter. Donc, mettez juste la moitié de l'assaisonnement de la sauce pour bien assaisonner la salade. Puis gardez le reste pour le moment de servir. Voilà, ma salade est finie. J'espère que vous l'avez aimée, que vous allez l'adopter. Elle est très très bonne, je vous le dis. Elle est belle aussi, comme vous avez remarqué. Il y a toutes les couleurs, noir, blanc, rouge, vert, jaune. Donc, elle est juste délicieuse. Donc, je vous la recommande. Ben, merci beaucoup d'être avec moi. C'était un plaisir de partager avec vous cette salade. J'espère que vous allez l'aimer. Passez une belle journée.